Madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial Sila sur Média Haïtien en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité ici en Haïti, attaque armée dans l'area pénitentiaire nationale grâce à gros effort à peine yo arrivé repousser bandi yo et ça pas empêché kap moun sorti blessé dans attaque Sila et pral gagner yon moun ki joine arrestation selon information qui t'a servi antenne pour bandi mais information qui t'a fait quoi attaque la te visé pénitentiaire nationale syndicat la police nationale la Sinapou a confirmé attaque là selon sa autorité pénitentiaire au fait qu'on est mesdames et messieurs li pa de visé et bien pénitentiaire national qui trouvé dans quai et capitale pays d'Haïti et information fait quoi c'est un bandit 5 secondes qui t'a commet zaxi là dans zone pénitentiaire nationale non loin palais national. En tout cas information yo continue à évoluer. L'autre point dans actualité a mais toujours concernant pays d'Haïti, président dominicain Luis Abinader Adolfo Corona lui-même dans cadre intervention sous tribune Nations Unies jeudi mardi 13 février 2024 là limandé pour déploiement force internationale a fait pressé parce que nous constaté gagne une quantité haïtien qui dans insécurité alimentaire à cause gang armé yo qui décidé pour y a pas problème ça la cause population haïtienne lagué aux abois. Eh bien mesdames et messieurs et situation qui soulevé conscience Abinader qui m'a pour communauté internationale là agir et pressé et en pleurs yo bay avec ça qui a passé dans pays d'Haïti a li kwè c'est pas l'île gagnée li ta doué aller piwo parce que ça qui a passé a li grave en pile sous Ilia selon président République Dominicaine Luis Abinader Adolfo Corona. Troisième jour et carnaval et bien national là qu'a fait dans champ de mars après nèg examen te fin et bien fait un pile coup de balle dans aria chad masta hier ça va empêcher divers chats musical et bien tapral et foulé et bien macadam dans là pour t'al tenter bay animation sous chad masta mais et attendant li pas comblé nous pral gagner pour nous joindre plus détails avec VOA Creole dans la voix de l'Amérique dans international là gagner mesdames et messieurs et bien congrès américain qui arrivé à prouver une assistance militaire 95 milliards dollars côté yo pral supporter trois pays sa yo qui c'est Taïwan, Ukraine et Israël dans cadre eh bien nous t'es capable de bataille a fait pour aider pays sa yo rester militairement solide. Mesdames et messieurs, toutefois gagné dossier pays d'Haïti à tout qui était devant congrès américain et ont décidé pour pas de bail quantité cob administration américaine te exige pour te bayo pour capable vin soutenir une force internationale dans pays d'Haïti. Eh bien yo arrivé à prouver 95 milliards dollars pour trois pays qui c'est Taïwan, Ukraine et Israël pour capable joindre une assistance militaire. L'autre point dans international a gagné l'armée israélienne qui a préparé une nouvelle attaque et a décidé de passer à une vitesse supérieure dans le cadre d'attaque qui a fait dans eh bien Gaza. Eh bien, gagné Rafah qui c'est une ville là qui visée par l'armée israélienne et ça t'a bail gros qui est sauté dans cadre attaque si là l'armée israélienne a préparé gagné Washington qui inquiété à divers autres pays dans international là qui paniqué pour Jean Israël a préparé pour attaquer état palestinien. Point ça yo à camper l'autre pour faire essentiel dans la voix de l'Amérique. N'invite au suivre avec nous. Jacqueline Belizère. Quelques grands points cap dominé actualité. Actualité internationale, l'armée Israël a paré pour passer en vitesse supérieure avec une opération militaire dans Rafah, ça qui bat Washington avec plusieurs autres pays qui sauté pour population civile là. États-Unis Sénat a approuvé une assistance militaire 95 milliards de dollars pour trois pays, Taïwan, Ukraine et Israël.
Concernant le pays d'Haïti, dans les Nations Unies, président dominicain Luis Abinader a attiré l'attention de la communauté internationale sur la moitié de la population haïtienne qui vit dans une crise alimentaire à cause de violences gangamées. Et puis, carnaval en Haïti, au Brésil et dans Nouvelle-Orléans, VOA Creole sous place. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New Orleans. Voilà, et VOA Creole, plusieurs côtés dans l'occasion carnaval là. Mais on a commencé avec une nouvelle qui sortit dans le pays d'Haïti. Moun individu qui était armé juste en dedans, eh bien, attaqué pénitencier national là. Mais force de l'ordre t'a résisté et ça t'a tout affecté par coup carnaval là. Non, Port-au-Prince n'a pas pour nous retourner encore sous carnaval là. Et puis, grand point cap dominé actualité là, dans une déclaration li fait dans les Nations Unies, jeudi mardi 13 février 2024 là, président de la République Dominicaine là, Luis Abinader, eh bien, déclaré que yon guerre civile prête pour éclater dans le pays d'Haïti. Sandra Lemaire t'es sur pour nous, discours président dominicain. Président de la République dominicaine, Luis Abinader, exprimé Kassoteli par rapport avec la situation Haïti, que les décrit tant qu'urgent pendant un discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Il est le premier président dominicain qui j'en prend la parole devant le Conseil. Le résultat est que aujourd'hui, Haïti, con gran parte de su territorio controlado por bandas criminales, se encuentra al borde de una guerra civil. Le résultat, c'est que Haïti, un pays gang criminel fin contrôlé, prêt pour la guerre civile éclater. Abinader dit ça vient aggraver situation, ces groupes paramilitaires et leaders politiques, que les dit présenter tête tant que sauveur peuple devant un pays qui besoin sécurité, manger avec la paix. Abinader souligne sa violence gang yo gen impact sur non seulement pays Bali, mais toute région, et que fort communauté internationale là passer à l'action au lieu pas les mettre là. République dominicana no da a Haiti lo que le sobra, sino que aporta lo que le falta. El tiempo de las promesas ha terminado. A partir de hoy entramos en el momento de las acciones. La République dominicaine pas bay Haiti sans douel, mais plutôt ça les besoin. Époque promesse là fini. À partir d'aujourd'hui, n'a pas entré dans moment action. Si nous pas bay l'argent kounye là, Haiti pral plonger dans une situation irréversible. Un échec constat a menacé pays ensemble avec toute région. Nuestra consigna de hoy en adelante será: o luchamos juntos para salvar Haití o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Lydie, à partir d'aujourd'hui, la consigne à suivre, c'est soit nous goumen ensemble pour sauver Haïti, ou soit nous goumen pour contre nous, pour protéger la République dominicaine. Président dominicain dit, depuis le mois de septembre 2021, le gouvernement Lian a lancé appel à membres de l'ONU sous conditions sociales qui détériorées en Haïti. Lydie, malheureusement, l'ONU n'a pas agi en urgence ni avec sévérité situation mandée. Abinader dit qu'il apprécie l'offre Kenya fait pour diriger une force multinationale pour aider Haïti à gérer l'insécurité. Mais la forte communauté internationale là voyait l'argent qu'il était promettre pour financer la mission ça. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Président Abinader t'a tout profité pendant la palais pour attirer l'attention communauté internationale là sur moitié population haïtienne qui a fait face à une crise alimentaire li dit à cause de violence gang armée. Et puis dans moment les États-Unis même la fait démarche pour force multinationale la déployer dans pays d'Haïti, il y a plus passé 1000 monde qui perdu la vie à cause affrontement gang armée mais qui a gommé pour question territoire d'après un rapport Nations Unies publié. Sous place dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Dans moment plusieurs milliers de monde différentes zones, précisément Rivière Froide, qui est dans la commune Kafou, la plaine qui est dans la commune Kouadebouquet, abandonné Kayou pour y aller prendre refuge, soit Kayou famille, yon zami, ou bien sous place publique pour yon pas victime. En babal gang armé, kap boukante coup de balle entre yon pour territoire, Nations Unies publié un rapport vendredi 9 février 2024 qui fait état 1108 monde qui mourit pour mois janvier 2024, soit trois fois chiffre, y ont été enregistrés en janvier 2023. Chiffre réparti comme ça, selon rapport Nations Unies, pour pipiti, 806 moun qui pas impliqué dans escalade violence, tué, blessé ou bien kidnappé, avec 300 même gang qui mourit ou bien blessé. Au commissaire Nations Unies pour droit moun, Volker Tuk,
lancé avertissement par les acteurs concernés pour prendre décision appropriée par rapport à la dégradation catastrophique du monde en Haïti après dernier chiffre ça a montré mois janvier ça a bataille est devenue plus violent depuis plus passé 2 ans. Pendant ce temps, selon une source ministère de la Justice pays d'Haïti, une rencontre déroulée aux États-Unis d'Amérique, précisément Washington, lundi 12 et mardi 13 février 2024, sous déploiement mission multinationale soutien à sécurité en Haïti. D'après même source-là, c'est ministre Justice et Sécurité publique là, Emily Prophète Milse, dans tête une délégation qui est là-dedans, DGPNH là, France LB, avec 3 inspecteurs généraux qui participaient dans la rencontre ça pour Haïti, une délégation 14 membres qui sortit dans le pays Kenya avec quelques officiels américains, d'un coup sous-secrétaire d'État américain Todd Robinson, Chris Landberg et divers autres pays contributeurs comme Espagne, Italie, Bénin, Canada, Bahamas, Mexique, Afrique du Sud, Jamaïque, Union européenne et divers autres te prennent pas dans la rencontre là tout. Faut dire que c'est une rencontre qui déroulait en marge à réunion groupe 20 ministres affaires étrangères qui fixait pour 22 février 2024 dans la ville Rio de Janeiro, pays Brésil. D'après agence presse Bloomberg, c'est les États-Unis d'Amérique qui convoquaient rencontre donateur Sayo pour accélérer processus déploiement mission multinationale soutien à sécurité en Haïti pour venir aider PNH rétablir l'ordre et sécurité sous toute étendue territoire national. Ou dans tout ça, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et bien toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, dans la capitale là, la police crasée à gaz lacrymogène, manifestation et parti politique aidé tap fait contre gouvernement Ariel Henry à Massado Vilme, gain détail. Si après manifestant haut a tenté prendre direction résidence officielle Premier ministre Ariel Henry, force de l'ordre lancé plusieurs gaz lacrymogènes pour empêcher protestataires aboutir à destination yo. Manifestant yo qui était très en colère dénoncé Premier ministre Ariel Henry yo dit qu'il convertit gouvernement lien en régime boutzi. Ariel voye assassiner nous. Ariel voye assassiner nous. Ariel comment c'est le bon dictateur monsieur voye assassiner nous. Arrêtez Ariel. Ariel Moscou, Ariel ils sont dictateurs. Manifestants yo di a continuer rester dans l'aria jusqu'à ce que yo mette deux gouvernement Ariel Henry à terre. Bay gaz, tirer sur peuple là, pas tirer sur peuple là, n'a toujours été mobilisé jusqu'à ce que nous déchouquer Ariel dans cette pays. La police a fait une mobilisation. Nous faisons carrément mobiliser. Mouvement, c'est mouvement peuple. Peuple dans une situation terrible. Nous ne pouvons pas respirer. Nous ne pouvons pas fonctionner. Yo, vous mettez mobilisation directement dans une situation difficile. Intimidation liée. Nous ne pouvons pas prendre l'intimidation. La bataille jusqu'au bout. Il faut qu'Ariel suspende. Parce que Ariel va dire aucune légitimité. Ariel, pouvoir finir par dire rien, c'est un grand Ariel. Parce que par exemple, vous n'avez aucun espoir avec Ariel. Faut Ariel suspende faire violence sur la population. Nous avons dit que le leader parti politique EDA, ancien Premier ministre Claude Joseph, qui était dans la tête manifestation, n'a pas de guet en fait. Aucune déclaration, non journée, mobilisation ça. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilme pour VOA Creole. Et puis toujours dans le cadre de levé campé anti-gouvernemental là, et bien, il y a un ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui est leader petite Dessalines, et bien, il a annoncé 3 journées de mobilisation contre le pouvoir Ariel Henry. Puis l'annonce est payant. Jeudi, cap 15 février 2024, nous allons commencer dans le cap de résistance et nous allons bout devant fini. Nous allons parler avec le monde. Nous allons parler avec les Nations Unies. Le 16, vendredi cap 16, nous allons bout encore devant Primatilla. Son façon pour monter le monde entier. Mais qui ça, la victime en bas du gouvernement ça. Mais nous clair, organisation, yo gagne plan pa yo gagne plan façon pour déloger le gouvernement ça.
dimanche cap 18, dimanche cap 18, mobilisation yo, pour aller directement devant l'ambassade Tonton Sam, c'est ça que nous avons annoncé. Dimanche cap 18, si mon grand monde, quel que soit le monde coréen, mettez face nous, nous allons parler avec les États-Unis. Mobilisation nous annonce là, yo. Nous sommes concertés avec un pile de structure politique. Et ma bande de population, quel que soit le monde qui lance une mobilisation, entrer dans la mobilisation pour nous dérouter le gouvernement de facto. Mais ici, dans 4-5 mobilisations nous lancées, ni Ariel Henry, ni M. Bourgeois, ni ambassade américaine, ni communauté internationale, là, ils n'ont pas jamais dormi parce que c'est lui, 20 mobilisations, ça y est, la fête dans 4 points payants et nous ne pouvons jamais tomber. C'était ancien sénateur, leader parti politique Petite Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles. Et puis, sous attaque qui fait sous pénitentiaire nationale dans Port-au-Prince, eh bien, nouvelle fait nous connaître qu'il y a plusieurs blessés. Et c'était un groupe individu qui était lourdement armé, qui était attaqué pénitentiaire nationale là. Mais force de l'ordre était résisté, ça qui affectait parcours carnaval là, dans occasion troisième jour. Actualité à nan international, nous pour aller dans Moyen-Orient dans un petit moment. Et oui, gros actualité à la région Moyen-Orient, c'est toujours guerre Israël-Hamas là. Et bien, la main Israël a paré pour le passer une vitesse supérieure à une grosse opération militaire dans Rafah, ça qui bat Washington avec plusieurs autres pays. Gros qu'est sauté en allant sa vie près. La main État hébreu a fait qu'on ait touillé plusieurs dizaines de combattants palestiniens dans l'affrontement dans Gaza dans les dernières 24 heures. Parmi eux, 30 dans Khan Younis, une ville qui tout près Rafah. Moumen Jber, c'est un déplacé dans Khan Younis qui a exprimé désespoir. Nous finissons. Nous ne sommes pas de côté pour nous aller encore. Je prie pour pression le monde entier a fait sur Israël pour mettre fin à la guerre et libérer nous. Nous fatigués. Nous avons couru tout partout sans nous pas qu'on ait côté nous pour aller. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dit qu'il a presque fini avec ça. Pour lui, victoire totale, là, c'est une affaire de mois pendant qu'il a continué à pilonner. Khan Younis là. Combattant héroïque nous yo a frappé dans Khan Younis là qui c'est principal bastion Hamas. Nous mandé Tchahal là qui donc est force défense Israël là pour parer pour frapper tout dans Rafah et dans deux autres camps réfugiés dans centre qui c'est dernier bastion Hamas. Dans Washington même, président Joe Biden dit lundi, États-Unis a fait pression pour joindre une trêve 6 semaines pendant les répétées nécessités pour protéger les civils innocents dans Gaza après une opération militaire israélienne qui libérait 2 otages qui étaient dans main Hamas. Président Biden parlait comme ça pendant le tap recevoir roi Abdallah Jordani dans la Maison Blanche. Gros opération militaire dans Rafah pas de fait sans un bon plan. Un plan crédible pour assurer sécurité et soutien pour plus passer 1 million de monde qui prend refuge l'autre bord. Mounio déplacé plusieurs fois pour violence et qu'on y a trouvé coincé dans Rafah. Président Biden exprimé gros mécontentement pour être premier ministre Benjamin Netanyahu par coutel. Et il précisait à l'Elio dans la région a travaillé sans prendre souffle pour joindre notre rêve. L'autre question qui gagne dans le dossier Gessa, c'est pour violence pas gagnée dans toute région, surtout avec conflit entre Hezbollah et Israël sous frontière État hébreu partagé avec Liban. Et leader Hezbollah Hassan Nasrallah dit il ne peut pas suspendre la bataille tout autant agression contre Gaza, pas suspendre. Nous avons dans le sud du Liban avec genoux fixés sur Gaza. Les agressions contre Gaza ont campé et que coup de zame sous Gaza ont suspendu, nous-mêmes tout n'a suspendu tiré. Pendant ce temps de négociation a continué, président pouvoir palestinien Mahmoud Abbas trouvé le depuis dimanche 11 février à Doha pour une rencontre qui déroulait hier lundi à Qatar qui n'a mis tant négociation côté li accueilli tout dirigeant politique groupe militant Hamas. Et dans Gaza, situation a vint plus grave avec une crise grand goût sans pareil et kounya c'est manger moun yo kon bay bête yo même y a manger. Ministère Santé Gaza que Hamas a dirigé dit gagner plus passé 28 000 Palestiniens qui mourent depuis guerre a commencé dans date 7 octobre 2023.
Donc, négociation après continue pour essayer de rejoindre une trêve qui est plus longue que ça que tu es passé à sous guerre entre Israël avec Hamas. Et puis, ici, aux États-Unis, le Sénat qui a approuvé une assistance militaire 95 milliards de dollars pour trois pays, Taïwan, Ukraine avec Israël. Marie-Louise Pierre, un détail. Sénat a voté bonheur mardi 13 février pour approuver un programme plus passé 95 milliards de dollars pour Ukraine, Israël et Taïwan, mais mesure ça a fait face à composition dans l'État républicain dans la Chambre représentant. Parlementaire a approuvé mesure ça par un vote 70 contre 29 avec plus passé une douzaine républicains qui mettaient avec démocratie pour appuyer. Votre Sénat a été fait en vent sur les levées après 8 opposants ligne du républicain dans aide Ukraine t'ai fait un discours marathon l'enluit l'an qui t'ai dominé chambre pendant plus passé 6 heures dedans. Après où t'ai fin annoncé votre final là chambre dit Today we witnessed one of the most historic and consequential bills. Avec projet loi ça, Sénat a déclaré que leadership américain pas prononcé, pas faibli. Et puis, il n'y a pas échoué non plus tôt. Président démocrate Joe Biden a demandé au Congrès pour le presser avec nouveau aide à l'Ukraine et aux partenaires américains dans l'Indo-Pacifique là, qui gagne la donne Taïwan depuis plusieurs mois. Après l'attaque à Hamas qui fait 7 octobre sur le peuple israélien, il a demandé tout l'argent pour allier les États-Unis ensemble avec assistance humanitaire pour les Palestiniens dans Gaza. Officiel ukrainien a été averti tout sous manque d'âme. Dans un moment côté la Russie a poussé pour plus devant avec nouveau attaque. Tous deux chambres congrès doivent approuver législation avant Biden Cassienne pour faire le vintourner loi. Mais loi sa assemblée gagne pile chance pour arriver dans chambre là côté président chambre là républicain Mike Johnson te reproché lui pour être été manqué disposition conservatif pour empêcher une quantité record migrants traverser frontières États-Unis avec Mexique. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Louise Pierre. Et bien, président Joe Biden qui fait que se prend la parole là, quelques heures de ça, dans la Maison-Blanche, pour dire que, premièrement, lui demander pour, Chambre députée à lui-même, pour le faire même pareillement, pour le capable de voter et assistance ça pour trois pays ça que nous sommes cités là, Taïwan, Israël et avec Ukraine et il tout profiter attaquer ancien président Donald Trump qui lui-même est critiqué engagement que les États-Unis a prend envers membre OTAN et il tout dit que c'est dangereux et même yon bagay qui pas américain pour un ancien président a dit que y a permettre que la Russie fait invasion n'importe côté ça veut dire n'importe pays l'OTAN donc yon chire piton l'autre fois encore entre président Joe Biden avec ancien président Donald Trump. Nous parlons qu'on est dans le pays d'Haïti et nous parlons ouvert chapitre qui a un rapport avec Carnaval. Nous avons parlé de Carnaval en Haïti, nous avons parlé de Carnaval au Brésil et nous avons parlé de Carnaval tout dans l'autre pays, notamment dans New Orleans, côté que nous avons envoyé spécialement. Mais nous parlons de l'immigration d'abord avec Jean-Aubert Philippe. Ancien président Donald Trump, qui a participé dans un meeting de masse dans Conway, en Caroline du Sud, pendant le week-end, dans le sous du pays européen, il dit qu'il a pris un livre sur les États-Unis pour ne pas payer cotisation pour propre sécurité. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay, le grand président des États-Unis dit, si vous ne payez pas les cotisations et puis la Russie attaque, est-ce que n'a protégé? Yes, moi dit sous pas payer cotisation ou pousser un délinquant non pas protéger en fait n'a pas courage pour faire tout ça ouvrir ou payer dette passion apparent en ce président gagné pour président Vladimir Poutine avec méfiance pour pays allié l'OTAN yo pas nouveau mais comment est-ce ça pour encourager Moscou attaquer allié l'OTAN yo provoquer une chaîne réaction par un pays européen yo dans une déclaration secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg publié il fait qu'on est n'importe quelle gestion comme quoi allié yo pas défendre une autre endommager sécurité nous y compris États-Unis et mettre à gori soldats américains avec européens. Let's be serious. NATO cannot be an alliance à la carte. It exists
Josep Borrell, chef politique étranger de l'Union européenne, a déclaré en sérieux, l'OTAN n'est pas capable d'avoir une alliance côté au place et une demande, tant que j'en fais ça dans un restaurant, soit il existe ou bien il n'y pas existé. Je n'ai pas perdu de temps pour commenter une idée droite et gauche qui prend la rue pendant une campagne électorale aux États-Unis. Pas aucun pays qui a une dette pour l'OTAN, tant que l'ancien président Donald Trump le fait comprendre. En 2014, l'Alliance Lente a pris un engagement pour le pays Mamio contribuer 2% dans le produit national bouillon pour défense d'ici 2024. D'après l'estimation, l'OTAN, dans le commencement de l'année 2023, 10 sur 30 parmi États Mamio étaient presque arrivés dans la cotisation 2%. L'expert fait remarquer que Trump a demandé aux républicains dans la Chambre des députés pour ne pas avoir l'Ukraine aucune assistance militaire aux États-Unis, dans le même moment que l'Ukraine a lutté contre l'invasion de la Russie. Un autre expert déclaré par la Voix de l'Amérique, le Congrès a mis en place quelques politiques pour protéger l'Alliance de l'OTAN qui garantit la sécurité en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Mais l'autre expert dit qu'un prochain président américain est capable d'un autre moyen pour faiblir l'OTAN tant que retirer les soldats américains en Allemagne ou bien laguer d'autres obligations aux États-Unis pour respecter l'article 5 de défense mutuelle alliance là qui dit moyen une, moyen tout. Ça veut dire de pour attaquer une, reçu à mettre ensemble pour attaquer eux. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Et nous t'entendons qui Jean que président et Joe Biden réagit par rapport à la déclaration que ancien président Donald Trump te fait qu'on y a nous bral dans le pays d'Haïti et nous bral ouvert un chapitre qui gagne à la fois carnaval et insécurité tant qu'on te dit le gagne un groupe individu qui attaque pénitentiaire. Ça qui te fait que parcours carnaval là t'es modifié et nous t'es pris contact avec correspondant nous Massado Vilme qui est même cap banou yon mise à jour sous qui Jean carnaval là. Dernière journée carnaval, la faut que nous disons que gagne un raccourci dans parcours chao depuis premier jour carnaval là. Et bien parcours chao c'était sorti devant la cour cassation pour te albout devant Rex Théâtre. Et bien pour aujourd'hui dans dernière journée gagne un raccourci total à cause coup de balle qui a chanté dans périmètre là. Selon information qui arrive chez nous, gagne plusieurs monde qui étaient déjà sorti victime dans attaque groupe civil armé qui a fait et pendant période carnaval là. Nous sommes place, je suis capable de voir là, mais mes chars, ils ne sont pas trop loin, et place Oxygène, tout près de l'international, c'est là, chars, ils sont là. Il y a environ 3 heures et demie, jusqu'à présent, pour qu'il n'y ait aucun défilé chars, et il y a quelques grands monde, quelques grands carnavaliers eux-mêmes, qui sont place, capitaine pour eux, qui sont prêts à défouler dans la dernière journée de carnaval là. Toutefois, nous devons rappeler que hier, il y a un pile monde qui est sorti blessé. Non, yon attaque groupe civil armé te fait sous parcours carnaval là. Nous sous place pour nous permettre de vivre comme en dernière journée carnaval. Porte-président lui-même li abdé ou les Jacques Belizère. Merci Massado Vilme. Massado Vilme, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince, nous établi contact et avec Pi Bonheur dans le programme là. Et qu'on y a actualité sous carnaval est là, jeudi à mardi gras, a mené nous dans New Orleans, Nouvelle Orléans, avec envoyé spécial nous, Valerio Saint-Louis. Jodi a c'est Mardi Gras et nous dans cœur ville Nouvelle-Orléans, New Orleans. C'est là que jodi a grosse célébration ça tamé, une célébration culturelle traditionnelle qu'a fait depuis les années 1900 dans ville ça. Une tradition qui réunit culture africaine, américaine à côté de culture française et haïtienne puisque culture créole est très présente dans New Orleans. Mardi Gras ça, célébration ça rappelez nous un petit peu pour monde qui habitué dans New York, il rappelle un petit peu les bords du carnaval là qui habitué dérouler dans Brooklyn New York. Mais particularité Mardi Gras ça qu'a fait dans Nouvelle-Orléans dans New Orleans, et bien c'est parce que jodi a gagné un groupe social, culturel et traditionnel qui relait Zoulou qui lui-même organisé défilé carnaval ça. Dès domna là, c'est là que parade a déroulé. Nous voyons que depuis bonheur de matin, en pile monde commencé, mettez chez eux, par des barricades pour participer dans Mardi Gras, ça. Au Mardi Gras qui est famille à déplacer, Tati Mounio, et certainement déguisement. Yo. Mm-hmm.
Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New Orleans. Merci Valerio. Brésil, c'est pays carnaval. Nous allons rejoindre Chesley Jean-Baptiste. Carnaval, c'est un pays gros fête. Brésil gagne pour vendre qu'il tili, attirer touristes et puis faire profit économique. Chaque février, un peu de monde motivé pour fouler béton. Pour São Paulo, presque tout partout, c'est ambiance. Mais il y a un rendez-vous qui est toujours cassé dans Samba Dromo à Imbi, côté l'école Samba au défilé. Fanatique, pas négliger acheter billets pour assister à l'événement qu'il tire ça pour encourager l'école Samba préférée. Présentation yo a déroulé sous thème qui a rapport avec histoire l'Afrique, culture Brésil, environnement social, politique, pour ne citer ça seulement. C'est environ 33 l'école qui a bien pour défiler et défiler champion Carnaval São Paulo 2024 là, fixé pour samedi 17 février. Chez Jean-Baptiste, VOA Creole, São Paulo, Brésil. Et puis Tabou Combo avec Skacha sous yon scène, son affiche qui est extraordinaire, et Luxon Saint-Ville. Plusieurs mélomanes qui pifont la dent yon semoun ancienne génération, devine assister de Goja Sayo, qui marque musique haïtienne. Skacha number 1 ak Tabou Combo sou même podium, participants ont venu pour revivre une série bel moment. Yo te kon viv nan jenès yo. N'importe moment que yo gen deux gros band sa yo ensemble, ou konnen que yo pral vivre une expérience extraordinaire. N'a parlé de presque 100 combien années, oui combination, oui qui la ensemble non nuit. C'est pas ti année non. N'a pas les là. Tout de jazz très bien joué. Je dis monsieur Kembe là pour qu'on parle. Nous va négocier qu'on parle devant jusqu'à la mort. C'était une soirée plaisir mais tout une occasion pour honorer des légendes Kubanou ak Fanfan Tibot. Eh ben, un sentiment de joie, de confort, de satisfaction, d'amour. Tous les adjectifs si tu veux, un bon sentiment. Et ça fait plaisir parce que le Atlas ou que et mon support ou encourage et ou que c'est ou ça fait plaisir. Encore une nouvelle plaque. Merci beaucoup. Tabou Combo son vous cap marché. Le succès en succès. Et plus ça continue, c'est plus on a pour connaître valeur nous, plus on a pour connaître travail à faire pour culture haïtienne et culture noire là à travers le monde. Nous faisons ce que nous bénis là, pour nous aujourd'hui devant 20 000 personnes. Tout le monde a apprécié la musique Tabou Combo et nous avons continué à faire travail là. Honoré des grands chanteurs en occasion 47 l'année BPX TV Réseau, c'était un devoir pour Jean-Sony Zulerion, que tout le monde connaît sous nom Sony Belle en forme, qui voulait continuer de travailler comme ambassadeur de culture haïtienne. J'ai tout le temps ça, ma baye menti pour la culture haïtienne. Quel que soit l'artiste là, je vais le monter. Alors je dis à son gloire pour moi. Le Tabou Combo, Skacha number 1 était d'accord pour venir sur la même scène pour BPX TV Réseau qui gagne une chaîne de télévision qui fait paraître et qui est la chaîne 18.6 digital dans la Miami, Florida. Je suis serviteur de la culture haïtienne et ambassadeur culturel pour Haïti. Je fais ça capable. Bonsoir tout le monde. BPX TV Réseau.